Des drones, bientôt facteurs. À une dizaine de mètres au-dessus du sol, à 30 km/h, ce drone transporte un colis de plusieurs kilos. Une nouvelle technologie qui permettra bientôt à la Poste de livrer dans les endroits difficiles d'accès. Des îles, des zones montagneuses qui peuvent être parfois enneigées où ça peut poser des problèmes. Donc nous avons eu l'idée en 2014 de lancer ce projet drone. Des drones qui peuvent voler en totale autonomie. On lui donne une mission, des coordonnées GPS et un certain nombre d'ordres et il va voler tout seul. Il va faire ses 20 km tout seul. Pas de pilote aux commandes, uniquement une surveillance réglementaire assurée en cas de problème. C'est depuis ces terminaux que les drones décollent et atterrissent. Un projet ambitieux qui impressionne les visiteurs. Pour les endroits un peu isolés, pour les endroits reculés, c'est nickel quand même. À la montagne, tout ça, c'est bien. Pratique, mais si ça supprime du personnel, c'est moins bien. La Poste espère tester ses prototypes d'ici un an pour livrer ses premiers clients d'ici 2020. Elle compte sur une autorisation rapide de la Direction générale de l'aviation civile, mais il lui faudra faire vite. Amazon est déjà dans la course.